fendre les langoustines en deux, retirer le boyau et la petite poche située au niveau de la tête. Prendre du beurre pommade, ajouter le jus d'un demi-citron jaune, une pincée de piment d'Espelette et bien mélanger. Beurrez délicatement chaque demi-langoustine et parsemez une pincée de piment d'Espelette. Beurrez le fond du poêlon, disposez les langoustines côte à côte et les enfournez pendant 4 minutes en position grill sans oublier de les beurrer à mi-cuisson. Alors, la précaution, c'est de mettre les pinces du côté de la porte. Voilà, parce que devant la porte, quand on l'ouvre, la chaleur s'en va, et il faut que les pinces soient moins cuites, ça risque moins que les queues. Hein. Voilà. Déglacer les langoustines avec le lambig, faire réduire légèrement et déglacer avec 3 cuillères à soupe d'eau froide. Réservez les langoustines dans leur plat de service, recouverte d'une feuille d'aluminium. Passez le jus de cuisson des langoustines. Là, c'est le trésor. C'est le trésor, c'est ce qui va donner la saveur. Et ça, c'est important. Ah oui, oui. C'est le plus important, de récupérer tous les sucres. Portez à ébullition, ajoutez la crème liquide, réduire le feu, ajoutez l'estragon concassé, le beurre bien froid coupé en morceaux, salez, ajoutez 2 pincées de piment d'Espelette, mélangez et nappez généreusement chaque langoustine de crème onctueuse parfumée au lambig. Langoustine parfumée au lambig. Pour 2 personnes, 4 langoustines, 2 cuillères à soupe de lambig, 4 pincées de piment d'Espelette, un demi-citron jaune, 1 décilitre de crème liquide, 75 g de beurre salé et 1 cuillère à soupe d'estragon.